Alors, rebonjour, bon après-midi à tous. Nous sommes en direct du Centre NAD ici à Montréal. J'espère que vous allez toujours bien. Nous allons passer à la prochaine étape de cette vitrine MTL Connect. On a vu des gens et des entrepreneurs de différentes sociétés qui nous présentaient ce qu'ils cherchaient. Mais maintenant, nous avons un peu l'autre côté de la médaille, des sociétés, des organismes qui veulent nous offrir une nouvelle technologie, un produit, quelque chose qui pourrait potentiellement fitter dans vos plans d'entreprise, dans vos plans futurs. Donc, j'ai bien hâte d'accueillir nos prochains intervenants. J'espère que vous êtes toujours ici, vivants, par ton temps. On est en présentiel, on est là. Vous êtes là? Bien sûr! Ouais! Et vous aussi, monsieur? Ah, il est sur son téléphone. C'est un téléphone. Ah, non, non, non! Pas le droit de téléphone. Non, c'est pas vrai. Non, faites ce que vous voulez faire. Ah, ben c'est gentil, d'accord. Je vais prendre une pause d'abord, si vous voulez prendre vos photos pour les réseaux sociaux. Je pose, OK. Attends. Oui, c'est ça, attends. J'appelle ça Blue Steel. C'est son beau sourire qui m'intéresse. Ah, ben c'est gentil, oui, je vais le garder. Oh my God. Bon, ben on va vous inviter sur scène, madame. Je vais rougir, j'aime ça, moi, me le faire lancer des fleurs. Ah, ben excellent, j'ai hâte de rencontrer votre collègue. Ben, en tout cas, merci d'être là. Je vois que vous êtes ici. En vrai, vous participez, vous êtes des vrais humains, on n'est pas en virtuel. Et ce, ouais, des vrais humains dans une vraie salle. Ah, ça fait du bien. Et pour tous ceux qui sont là virtuellement aussi, on vous aime beaucoup. Merci d'être ici en si grand nombre à nous écouter un peu partout à travers la francophonie mondiale. Alors, j'aimerais réinviter nos amis de MTL, Nutek, Simran et Elias. Et ils sont accompagnés de Fred Drouin de Displayed ainsi que Amir Metwali de Dynamo. On les accueille chaleureusement. Rebonjour, tu m'as manqué depuis la dernière fois. Ça fait... Attention, attention! T'es assuré, CSSST, etc. En fait, ils cherchaient à potentiellement tomber histoire de prendre les assurances. Fais attention. Mais justement, en parlant d'assurance, donc merci encore Armand pour l'introduction. On a présenté un petit peu tout à l'heure justement le côté ASK, du côté corporatif. Donc, pour mettre un peu en perspective, puis pour les nouvelles personnes qui nous rejoignent, on représente le Coopératon. Le Coopératon est une initiative qui existe depuis 2016, qui a été fondée, lancée par Desjardins en collaboration avec plusieurs joueurs, dont notamment Montréal Nutek, le partenaire stratégique qui accompagne et co-développe le Coopératon depuis ce temps-là. Il y a eu plus de 600 projets entrepreneuriaux ayant à cœur l'impact social qui se sont lancés depuis. Et l'unicité du Coopératon est vraiment autour de cette collaboration-là, des défis qui sont donnés par des grandes organisations, qu'elles soient corporatives ou organisationnelles. Ça peut être comme un Hydro-Québec, ça peut être, on a vu, Microsoft, KPMG, bien sûr, mais ça peut être aussi un ministère et autres, qui se mettent ensemble pour soutenir la création et le développement de nouveaux entrepreneurs ayant un cœur l'impact social. Ceci étant dit, ce n'est pas pour parler du Coopératon qu'on est là aujourd'hui, c'est pour présenter deux superbes startups, justement, Display d'un côté, et de l'autre côté, on a Dynamo. Bon, moi, je vous connais très bien, Simran vous connaît très bien. Je ne suis pas sûr que toutes les auditrices et auditeurs et personnes présentes dans la salle vous connaissent. Donc, on commence peut-être par Displayed. Oui, parfaitement. Fred, à toi. Ouais. Donc, bonjour, moi c'est Frédéric de Displayed, un des cofondateurs. Et nous, on œuvre dans le domaine médical. Donc, ce qu'on fait, nous, on développe une nouvelle façon de venir aider les patients qui ont de l'insuffisance cardiaque à venir ajuster leur médication. En fait, un petit peu de background, en fait, dans la salle, une personne sur cinq vont avoir des problèmes d'insuffisance cardiaque au cours de votre vie, en fait. Fait que c'est un gros problème qui est lourd, qui touche tout le monde, coûte beaucoup d'argent, puis c'est vraiment difficile pour les familles. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Comment est-ce qu'on vient aider ces personnes-là, en fait? C'est avec la médication. Puis, dans un monde idéal où la médication est bien ajustée, il n'y a pas de problème, le problème est réglé. Mais en vrai, ce qui se passe, c'est que la médication est mal ajustée. Puis, les patients, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils retournent à l'hôpital, à l'urgence, à chaque année. Encore, encore et encore. C'est une boucle qui est difficile à venir briser. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on a développé une ceinture portative thoracique que le patient va mettre 5 minutes par jour le matin en se levant. Puis, avec ça, nous, on est capable de sortir beaucoup de métriques qui vont aider à ajuster la médication chez ces patients-là. Et avec cette façon-là, bien, on vient réduire, voire même éliminer les réhospitalisations. Comme ça, ça va leur permettre de vivre une vie bien normale. Donc, en gros, c'est ça qu'on fait chez Displayed. Bravo. Merci. Amir, we had Frederic from Displayed, and now Amir from Dynamo. As you know, Coopératon is bilingual, so your turn. Yeah, thank you so much for having me here. It's a pleasure. Last year is when we started a project at this exact same conference, and it's really a pleasure to be back here and presenting. So
I'm the co-founder and CEO at Dynamo. Our mission is to solve traffic in cities using artificial intelligence. So probably on your way here or on your way back home, you will probably experience it being stuck, either waiting at a red light when no one is passing, or being stuck in a congested area that's not moving for 2 kilometers, and you will have to wait around 50 minutes or so. That's a problem we experience quite a lot, majority of us. So the way we solve this is actually we make the existing city traffic lights intelligent, powered by AI, and connected throughout the entire city so they can actually communicate and coordinate, optimizing the entire road network together. We install 2 pieces of hardware at the existing intersections, where then we implement our AI so it can control it and optimize it, reducing travel times by 50% and CO2 emissions by 30%. This was the test we actually had on the Manhattan road network. So imagine this, taking it at a larger scale across the globe, we can actually help and have a big chance at combating climate change and improving our lives altogether. Wonderful. Both of you shared your journey, and I'm sure over the years you have collaborated, and Amir, you just started, so you have been collaborating with different organizations, not just with Dishadha, Montreal New Tech, corporate and non-corporate. What's one advice that you would share with the potential organizations that are looking to get more involved with the startup ecosystem, either to invest, collaborate, or just to get acquainted with? Amir. For sure. So I will speak from my point of view as a startup from really when we started. And one of the main things that I saw in terms of bigger organizations having an impact on us, number one thing was by showing up. Show up to those community events. Show up where the entrepreneurs actually are. Show up where they go out to find co-founders, where they go to meet other entrepreneurs. It makes a massive difference because not you only start building trust, but it shows that you actually do care about helping those startups thrive. That would be my main advice on that part. Et Frédéric? Je vais vous donner un petit secret. Les startups, souvent, ça aime bouger rapidement. Ça aime changer, pivoter, tout ça. Donc, des fois, quand on doit travailler sur des projets qui sont plus de grande envergure, comme je donne un exemple, monter une demande d'investissement pour des investisseurs, des fois, on a plus de difficultés à faire ces affaires-là. Puis c'est là que les grosses organisations, en fait, c'est là souvent qu'ils vont exceller. Donc, si vous êtes capable, justement, de venir aider les startups en offrant vos services, dans quoi vous avez de l'expérience, bien, nous, on va l'apprendre parce que pas ça qu'on est expert dedans, puis c'est, je vous dirais, l'impact un peu qu'on recherche, puis qu'on a le moins d'expérience. Donc, l'aide que vous pouvez apporter comme ça pour nous, c'est, ça vient, comment dire, nous appuyer d'une façon que nous, on a besoin, en fait. Super. En fait, on n'avait pas préparé ça, puis j'aime beaucoup les deux commentaires, puis thank you very much, Simran, for this, because at the end of the day, comme vous venez de le souligner, il y a des forces et des faiblesses de part et d'autre, et la réalité, c'est qu'on a besoin de transformation numérique pour les organisations. Je sais que Dynamo et Display travaillent avec des grandes organisations aussi pour leurs besoins. Donc, ça peut être des hôpitaux, ça peut être des villes. Je sais qu'il y a des pilotes qui sont en cours de part et d'autre. Donc, ça, c'est si vous connaissez des gens, puis je fais le porte-parole de nos startups, mais si vous connaissez des organisations, des villes, des grands groupes qui veulent travailler avec des startups, qui veulent explorer la transformation numérique et qui veulent le faire avec des organisations de petite taille, très innovante, très agile, ben, Displayed et Dynamo sont d'excellents exemples à ce niveau-là. Mais de l'autre côté, comme vous l'avez souligné, effectivement, il y a ce besoin-là pour les grandes organisations, pour mingler dans l'écosystème start-up, voir un peu ce marché de la start-up où y toucher, où il n'y a pas forcément l'expertise et les connaissances. Mais de l'autre côté, vous avez énormément de choses à apporter, comme tu viens de souligner, Frédéric. Et quelque part, c'est le même esprit qui a animé Desjardins et Montréal New Tech à se mettre ensemble pour bâtir le coopératon et continuer à le travailler. Et c'est cette création-là qui permet, ben, merci encore tout le travail que vous avez fait, parce que là, ils sont sur le stage aujourd'hui, mais la réalité, c'est qu'ils travaillent et continuent à travailler très, très fortement. Mais c'est créer cette plateforme-là pour permettre à des compagnies, des aspirants entrepreneurs, powered par Desjardins, les valeurs coopératives de Desjardins, Montréal New Tech, la communauté d'entrepreneurs et de technologies, à se mettre tous ensemble, ben, justement, réduire le risque, réduire le coût, maximiser le output et aussi ce partage d'expertise qui sont tellement cruciales pour l'avancée et la continuité, le succès, tant des entrepreneurs que des projets de transformation numérique des grands groupes. Donc merci encore, merci d'être venu avec nous aujourd'hui. Ben, c'est ça, merci encore et on va passer la parole à Armand. Thank you again.
Fais attention au cube. Fais attention au cube. Moi aussi, je suis assuré. Merci beaucoup, Fred, Amir, Simran et Ilias. On les applaudit. Merci. Alors, ça part bien cette deuxième partie de la vitrine MTL Connect. Nous sommes à la partie Ask, ce que j'offre. Alors, je voudrais tout de suite introduire notre prochaine organisation. Alors, c'est l'organisation Speedeo et c'est la Head of Business Development. On accueille Hannah Tayeb. Ah, vous avez déjà le micro. Parfait. Eh ben, bonjour à tous, merci beaucoup du coup à Montréal Connect de me permettre de présenter un peu ce qu'est Speedeo. Qui dans la salle a déjà passé plus de 20 minutes à scroller sur une plateforme de streaming à la recherche d'un film ou d'une série pour finalement ne rien regarder? Voilà, donc beaucoup de gens. Eh ben, c'est pour ça que Speedeo existe. Donc, chez Speedeo, on fabrique des algorithmes de recommandation, de personnalisation et de suggestion pour les plateformes de streaming, mais aussi toute l'industrie culturelle, l'industrie des médias, l'industrie de l'entertainment, avec l'idée particulière que les... En bas, le bouton vert. Ah, pardon. Voilà, désolé. Avec l'idée que la recommandation, ça devrait être une façon d'engager une discussion sur les plateformes. En fait, il y a quelques années, quand on cherchait à lire un livre, à regarder un film, on allait dans les vidéoclubs, on posait des questions voilà, à la personne qui travaillait dans le vidéoclub ou au libraire. Et finalement, cette personne-là nous répondait, nous conseillait. Mais aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut reproduire ça dans le monde du digital alors qu'on ne s'adresse plus à des personnes, mais à des algorithmes? Et bien justement, nous, chez Speedeo, on essaye d'inclure l'humain dans la recommandation et dans la personnalisation. Et ça, comment? Par le biais de la sémantique. Donc tous nos algorithmes sont basés sur des mots-clés, des tags, des keywords et en fait des émotions. Et par ce biais-là, en fait, ça nous permet aussi d'engager donc, la discussion avec l'utilisateur en reproduisant le langage naturel. Cette application-là, vous pouvez la voir chez nos clients, donc premièrement, les broadcasters, qui sont nos premières références, Canal+, Altice, Bouygues, Globo Claro, donc la vidéo, et depuis 3 ans, du coup, on a créé un produit qui s'appelle Rumo. Rumo, c'est un produit qui s'adresse à toutes les structures culturelles, les podcasts, on dirait balado ici, les podcasts, les jeux vidéo, les livres. Et du coup, ça nous permet aussi d'être plus accessibles et de permettre de développer ces technologies-là un peu en dehors du cadre de la vidéo. Quelque chose qui est très important, c'est que créer un système de recommandation, c'est avant tout donc, des algorithmes avec de l'intelligence artificielle, vous pouvez vous en douter, mais c'est surtout une question de scale et donc de croissance pour ces entreprises-là qui en fait ont des gros enjeux de taux de charge assez élevés avec beaucoup d'utilisateurs. Donc nous, c'est aussi ça sur lequel ça nous tient à cœur. Et surtout, créer de la transparence. En fait, nous, on se positionne vraiment comme étant anti-boîte noire. En fait, on pense que si les utilisateurs comprennent pourquoi un contenu lui est recommandé, alors ils interagiront beaucoup mieux avec la plateforme. Nous, on évite le côté sans explication, mais plutôt en se disant que non seulement les utilisateurs business, donc c'est-à-dire les équipes éditoriales des plateformes, mais aussi les développeurs, les gens qui intègrent en fait nos algorithmes, et les utilisateurs finaux devraient comprendre comment l'algorithme fonctionne. Et donc ça passe par le biais de dashboards, mais aussi de rendre manifestes les algorithmes dans une plateforme, c'est-à-dire pas seulement dire recommandé pour vous, mais expliquer pourquoi est-ce qu'un contenu est recommandé. Voilà, j'ai été plus rapide que prévu. J'ai pas de QR code moi non plus, mais n'hésitez pas à venir me parler ou à aller voir sur speedeo.com ce qu'on fait un peu plus en détail. Merci beaucoup. Merci Anna. Merci beaucoup.
Je me demandais comment ils faisaient Netflix pour savoir ce que j'aimais. Ah, c'est vous, ce vidéo. D'accord. Maintenant, je le sais. Non, non, mais pas les autres. Mais c'est ça, c'est le même concept. Ils sont bons. Le IA, le IA. On continue avec une autre présentation tout de suite. Encore une fois, ça va être un peu du speed dating. On va vous en présenter plein. S'il y a quelque chose qui vous inspire, comme la présentation de Hannah, allez tout de suite parler avec ces gens-là, là, prenez leur information. Et on continue avec une autre Hannah. Alors, c'est de la compagnie Caracal. C'est la présidente et cofondatrice Hannah Failer. On l'accueille. Merci beaucoup. Plaisir. Alors, petit bouton vert, c'est très clair. Bonjour à tous, j'en profite pour remercier la vitrine et Montréal Connect pour l'invitation pour présenter Caracal et c'est très important pour nous d'avoir cette visibilité. Alors, je suis Hannah Failer, j'ai cofondé avec Charlotte Durand, mon associée, Caracal, il y a quelques années. Notre idée de base, c'était, et c'est toujours le cas aujourd'hui, mais vous verrez dans mon explication, c'était d'aider les personnes qui ont envie de comprendre ce qui se passe autour d'eux, d'interagir et d'avoir accès aux contenus qui vont parler des lieux autour des personnes. Donc, comprendre les territoires qu'on traverse quand on est en déplacement professionnel, comme aujourd'hui, ou quand on est en voyage. Comprendre aussi toutes les initiatives qui se passent et qui ont lieu sur un territoire. Ces contenus, ils existent. Il y a peut-être des gens au milieu de cette assemblée qui sont des créateurs de contenus. Et ce qui est compliqué, c'est de les mettre en lien, de faire connecter le public et ce contenu. Et donc nous, on est venu proposer une solution et une suite d'applications qui vient se concentrer sur cette mise en relation et sur ce lien. Concrètement, on va utiliser que des contenus en format audio. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser des contenus qui sont autres, par exemple des contenus textes, mais on va les transformer via l'intelligence artificielle en contenu sonore. La plupart du temps, on utilise des contenus qui sont de type balado, on vient d'en parler aussi, et on va les suggérer aux utilisateurs. Ça prend la forme de deux applications. Une application, donc la plus grande qui est en fond noir ici, qui est l'application qu'on vient de développer en partenariat avec Renault, le constructeur de voitures, et qui est du coup intégrée au système de la voiture. Et puis vous avez l'application mobile que je vous invite évidemment à télécharger. Il y a des contenus qui ont été mis exprès à Montréal et au Québec à l'occasion du salon, qui va proposer à peu près la même expérience. Ce qui va différer entre les deux, c'est que l'utilisateur final n'est pas du tout dans la même situation. En voiture, il s'attend à être notifié parce qu'il a pris l'application pour cette raison. Sur mobile, on aime un peu moins les notifications qui nous envahissent déjà beaucoup, donc on en envoie un peu moins. Après, vous avez quand même toujours le même principe, des contenus qui sont suggérés en fonction de votre position en tant qu'utilisateur, si vous avez accepté d'être géolocalisé, évidemment, et la possibilité de les chercher sur la carte, sur l'application mobile. Pour vous donner une petite idée, j'ai mis quelques chiffres, comme ça vous voyez un peu à quoi ressemble la carte, même si c'est en très très gros. Et puis quelques chiffres de notre catalogue, parce que nous on n'est pas créateurs de contenu, ça c'est très important. Notre but c'est de valoriser les contenus des autres, offrir des outils qui vont permettre leur diffusion. Et nos outils aident aussi à permettre d'utiliser cette technologie de géolocalisation, et souvent les lieux et les institutions culturelles, ça peut aussi être des entreprises, Renault par exemple a fait appel à nous parce qu'ils voulaient offrir une expérience à leurs utilisateurs, à leurs clients. En fait, tout ça, c'est possible uniquement si on a les métadonnées nécessaires. Pour le balado, les métadonnées nécessaires, c'est tout simple. En général, c'est un titre, une description, une image, bien sûr un fichier son ou un flux RSS qui héberge ce fichier son. Et puis dans le cas de Caracal, il y a aussi tout le travail sur la géolocalisation à faire que nous on propose de faire. Et donc aujourd'hui je suis là pour vous présenter un outil donc, qui est plutôt sous un format web, logiciel SaaS, qui va permettre, donc on l'a appelé le Magic Wrap, il va permettre en fait pour n'importe quel contenu, que ce soit audio, audiovisuel ou texte, d'identifier, donc de faire de la reconnaissance d'entité en fait, d'identifier les informations qui sont nécessaires pour pouvoir ensuite créer et héberger les contenus et les mettre sur Caracal. Donc potentiellement, ça peut aussi être utilisé pour des entreprises qui n'auraient pas forcément envie de mettre leur contenu sur Caracal. On est en train de discuter avec des acteurs de la télévision, par exemple, qui ont envie de mener cette recherche-là, mais qui n'ont pas forcément envie de diffuser leur contenu, notamment quand c'est des contenus vidéo, parce que nous, on ne fonctionne que sur l'audio, donc ça n'aurait pas de pertinence.
Voilà. Ce qu'on cherche en venant ici, au-delà de faire connaître ce qu'on fait et de faire télécharger l'application aussi, parce que c'est toujours chouette d'utiliser, c'est de rencontrer des clients et des partenaires qui vont nous aider dans cette dynamique-là. Et également des investisseurs, parce que grâce à Renault, on part à l'international l'année prochaine, enfin, dans quelques mois du coup, en 2024, dès janvier. On va faire, donc on est en France, on fait la francophonie et puis on va sur les territoires limitrophes de la France. Forcément, bah, c'est un investissement, donc on ouvre le capital et donc je suis très intéressée pour discuter avec les investisseurs potentiels. Je n'ai pas non plus de QR code de quoi que ce soit, donc vous pouvez me trouver sur l'application Montréal Connect et puis je vous ai remis mes coordonnées ici et puis je me tiens à votre disposition évidemment. Et je suis aussi disponible jeudi pour la journée sur la découvrabilité qui est organisée par la délégation France-Québec dont je fais partie et que je remercie au passage. Merci beaucoup. Merci beaucoup Anna. Bravo. On va formaliser le tout avec une poignée de main. Bravo, merci, très beau projet. On continue? Speed dating, vous êtes là? On continue? Non, c'est quoi ça? Ouais, là, c'est supposé être le fun, c'est dynamique. Est-ce qu'on continue? OK, c'était un 3 sur 10, c'est rendu un 5. C'est déjà ça, c'est pas pire. OK, vous êtes toujours là. On enchaîne avec la prochaine présentation, alors, de la société Caffeine. C'est la directrice des affaires publiques et partenariats stratégiques. On invite Jessica Benchetri. On l'applaudit. Merci. Bonjour tout le monde. Très contente d'être ici pour... vous parlez de caféine, je vous propose de commencer avec une petite vidéo pour vous mettre dans le sujet, si ça fonctionne, on va voir ça ensemble. Ça fonctionne pas? Super. Ok, on va faire 100 vidéos. Vous avez juste une capture d'écran. Donc caféine, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme d'agrégation de journaux, de magazines et de médias en ligne qui est accessible sur abonnement. Une fois qu'on est abonné, on a un accès illimité à un catalogue d'environ 2500 titres de presse, magazines et journaux. C'est une entreprise qui a été créée en 2006 en France et aujourd'hui qui se développe à l'international. Donc on est présent en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas et également ici au Québec où on a une filiale incorporée au Québec. Donc vous pouvez maintenant trouver sur la plateforme Caféine non seulement des titres français et internationaux, mais aussi des journaux québécois comme Les Affaires, L'Actualité ou encore Québec Science. Notre ambition, nous, c'est vraiment de développer, de donner accès à l'information au plus grand nombre. On est dans un monde où la désinformation prend de plus en plus de place, où les gens s'informent très rapidement sur les réseaux sociaux. Et nous, on veut vraiment leur proposer un écran où les magazines et les journaux que vous allez trouver sur Caféine ont été sélectionnés, c'est tous des vrais journaux, j'ai envie de dire, avec du vrai journalisme, pour pouvoir lire des articles de qualité, des articles dans leur intégralité, et nourrir sa curiosité. On a aussi à cœur de représenter la pluralité de la presse, c'est-à-dire que, oui, c'est des journaux sélectionnés, mais on est là pour montrer tout ce qui existe dans la presse, donc vous allez retrouver à la fois des grands journaux d'information qui sont très connus, mais aussi des magazines peut-être un peu plus anonymes. On vient vraiment, encore une fois, nourrir la curiosité de nos utilisateurs. Par exemple, récemment au Québec, on a intégré des journaux comme Nouveau Projet ou Dinette, qui ont une très grande qualité éditoriale, qui n'ont pas non plus des millions de lecteurs. Donc on espère que, grâce notamment à nous, on va peut-être les aider à être découverts par de nouvelles personnes et pourquoi pas leur donner aussi une visibilité en Europe et en France, qui reste notre principal pays. Au niveau de notre produit, je suis désolée que vous ne puissiez pas voir la vidéo parce que vous l'auriez aperçue, mais je vous invite à télécharger l'application. C'est Caféine, C-A-F-E-Y-N, parce que vous lisez l'information en buvant votre petit café du matin. On a une expérience utilisateur qui va se rapprocher d'autres industries des contenus, donc un Netflix, un Spotify, où vous allez retrouver vos journaux préférés, reprendre la lecture là où vous êtes arrêté, etc. On propose aussi une diversité de formats de contenu. Donc si vous voulez lire un magazine ou un journal, vous pouvez le consulter dans sa forme PDF. Mais on propose aussi un format de lecture intelligent qui va permettre de passer du PDF à un mode article pour un plus gros confort de lecture sur son téléphone ou sur sa tablette. On propose aussi un fil d'actualité. On agrège en fait des fils d'actualité d'éditeurs pour avoir de l'information en continu. On a des contenus au format audio et on va probablement lancer bientôt de la vidéo également. Une des particularités également de Caféine, si vous vous connectez, donc soit au site, soit à l'application, vous verrez sur la page d'accueil qu'on essaye de guider les utilisateurs pour leur donner des idées de choses à lire.
Donc ça prend plusieurs formes. La première forme, c'est qu'on a une équipe éditoriale, donc une équipe de journalistes qui va lire la presse tous les matins et faire des collections, des sélections, des articles qu'ils trouvent les plus intéressants et les pousser sur la page d'accueil. Encore une fois, pour permettre de découvrir des nouveaux contenus, des nouveaux thèmes. Et on se différencie par ça des plateformes d'agrégation d'actualité qui ont tendance à toujours pousser les très gros titres, les très grosses news. Vous allez trouver peut-être des choses un peu différentes sur Caféine. Et puis, on a également intégré des algorithmes de recommandation qui vont se baser sur les goûts de nos lecteurs, les thématiques qui leur plaisent, les médias qui leur plaisent, pour leur proposer des choses en ce sens. Ça reste une petite partie de Caféine, donc on veut éviter par là d'avoir une bulle de filtrage où on va voir que des choses qu'on sait déjà. Donc c'est un mélange entre algorithmes, recommandations éditoriales, et puis chaque utilisateur, comme je l'ai dit, peut aussi organiser sa page d'accueil pour retrouver ses titres préférés. Voilà, donc aujourd'hui, nous, ce qu'on cherche ici au Canada, c'est évidemment de continuer à enrichir notre catalogue. On est déjà partenaire avec une trentaine d'éditeurs québécois et canadiens, mais c'est un travail qui se poursuit. Et on recherche également d'autres partenariats de distribution pour que l'application soit disponible le plus largement possible. On est déjà distribué aujourd'hui par TELUS. Si vous êtes client TELUS au Québec, vous avez droit à 6 mois d'accès à Caféine via la plateforme TELUS Privilège. On est également disponible en Alberta et en Colombie-Britannique via TELUS. Et on est dans certains programmes de fidélité de banque également. Donc on est ouvert à toute autre possibilité de partenariat et de distribution. Voilà, c'était Caféine. Il y a 2,5 millions d'utilisateurs dans le monde aujourd'hui et j'espère 3 millions bientôt au Québec. Merci à tous. Bravo Jessica. Poignée de main, formalité, microphone. Merci beaucoup. Merci Jessica. Très beau produit, très cool Caféine. Je ne connaissais pas, maintenant je connais plus. C'est le but de la chose, right? On apprend à connaître d'autres sociétés qu'on ne connaissait pas. Maintenant on les connaît. Right? Exact. Merci. On enchaîne, encore une fois, Formule Speed Dating. On veut voir le plus de gens possible, nous présenter le plus de belles choses possible. On enchaîne avec notre prochain présentateur, alors, de la société Newborn. Il est le cofondateur. J'invite tout de suite, sans plus tarder, Maxime Cuvelier. Ouais, tout de suite, on l'applaudit. Maxime, à vous de jouer. Merci beaucoup. Ah, il est très joli. Vert, c'est ça? OK. Ben voilà, du coup, bonjour à tous. Merci. Et donc moi, je suis le cofondateur avec Inès Pennings d'une start-up jeune, belge, qui est aujourd'hui incubée à Charleroi Entreprendre. Alors, cette start-up, elle s'appelle Newborn. Newborn, c'est le Airbnb de la borne électrique. Globalement, vous allez pouvoir, avec notre application, louer n'importe quel type de borne, qu'elle soit publique, privée. Je vais y venir. Donc, qu'elle soit publique, privée ou semi-privée. Donc, c'est aussi la première app pour tous les véhicules électriques. C'est là où on se différencie de nos concurrents actuels, de se dire qu'on ne fait pas que les voitures électriques. On ne veut pas que la jeunesse soit mise de côté, elle qui ne peut pas forcément s'acheter de voiture ni de moto électrique. Donc, voilà, c'est l'opportunité de venir charger également ses vélos, ses trottinettes et même ses skateboards. Donc, comme je le disais, c'est louer n'importe quel type de borne, donc les semi-publics, enfin les publics vous les connaissez, hein, c'est celles qui sont dans la rue aujourd'hui, les semi-publics ça va être celles qui sont principalement sur les parkings d'entreprise, il y en a de plus en plus, d'autant qu'il y a des aides d'État, en tout cas en Belgique, qui font que on a des aides pour installer des bornes électriques, et ensuite donc les particulières, et c'est là où ça nous intéresse le plus, puisque c'est là où on va pouvoir réduire au maximum les coûts à la recharge, chez les particuliers, donc ça peut être chez n'importe qui, même chez votre grand-mère, chez votre voisin, ou j'en passe. Chez Newborn, donc, il n'y a pas forcément que le côté locataire, où vous allez pouvoir venir forcément louer la borne, il y a aussi le côté propriétaire, où vous allez pouvoir gérer un ensemble d'outils, donc les outils statistiques, vous allez pouvoir rajouter des bornes, donc ajouter Newborn à tout ça. Et voilà, pour nous, c'est super important, parce que je me perds, c'est pas grave, je suis un peu stressé, je vous avoue. Bref, du coup, vous avez compris qu'il y a ce côté utilisateur, mais de ce côté-là. Et pour nous, ouais, c'est super important, ce côté utilisateur qui possède la borne, etc., et qui va pouvoir gérer son contenu,
pour les jeunes, parce que si tu es jeune et que tu ne peux pas investir dans l'immobilier aujourd'hui, on va t'inviter vraiment à investir dans des bornes qui vont pouvoir être rentabilisées en quelques mois ou en tout cas même un an. Ça reste quand même relativement court pour un investissement. Et puis comme ça, vous allez pouvoir investir. Donc n'hésitez pas à le faire. Nous, on va le faire avec Inès. On a déjà prévu d'installer une quinzaine de bornes en Belgique pour nous faire de l'argent. Newborn, ce n'est pas que Newborn. Newborn, c'est un ensemble d'outils alternatifs qui viennent se rajouter à tout ça. Donc, c'est une application vivante qui fait bien plus que ça. On veut vraiment être un multi-outil, un tool qui est indispensable. En tout cas, on le souhaite. Donc, Newborn, on va retrouver New Discoveries, qui est une feature du produit de base qui est Newborn. On a New Activities, qui est une autre feature reliée plutôt à New Discoveries. Et ensuite, New Facilities, qui se veut être là pour développer notre écosystème global. Donc, voilà, Newborn, en réalité, on veut être un vrai tout-en-un. C'est-à-dire que si vous, demain, vous voulez arriver avec un véhicule électrique, n'importe lequel, on aimerait pouvoir que vous veniez sur notre application pour acheter la voiture électrique, acheter la borne électrique, faire vérifier vos installations électriques, faire installer des panneaux solaires. Si vous êtes entreprise, pouvoir végétaliser les toitures pour réduire les chaleurs au niveau des panneaux solaires, etc. C'est tout un ensemble de processus qui vont faire qu'on va pouvoir s'étendre aussi avec des partenaires clés. Chez Newborn, on met un point d'honneur à se dire, il y a le New in Progress. New in Progress, c'est quoi? C'est vraiment de se dire, ok, demain, on écoute nos utilisateurs, on va se demander qu'est-ce qu'ils veulent et en fonction de ça, on va pouvoir ouvrir des nouveaux tools, des nouveaux outils complémentaires qui vont améliorer la qualité utilisateur. Think Green, à nos yeux, le Think Green, il est super 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 important parce que c'est une société de location de bornes électriques. On est axé vraiment vers la mobilité verte. Nous, chez nous, au sein de Newborn, on essaie d'être un maximum à 100% écologique. Et on aimerait, effectivement, avec tous les outils, etc., faire en sorte que nos utilisateurs deviennent aussi à 100% électriques. Ça passe par des points verts, par exemple. Donc, si vous allez chez une entreprise qui est certifiée par un de nos partenaires green, à ce moment-là, effectivement, vous allez pouvoir... mon temps est un peu dépassé. C'est pas grave, je vais speed. Donc, on a l'occasion, on a l'envie en tout cas d'être en Europe d'ici 5 ans, puis au Canada, donc ici, en Afrique, d'ici une dizaine d'années, parce que ça demande beaucoup de temps. Et puis, ça, c'est les potentiels partenaires. Je vous invite à prendre mes contacts. Je n'ai pas de QR code non plus. Désolé pour le petit temps. Merci à tous et à bientôt. Bravo, Maxime. Merci. Bravo, bravo. Très beau complet, absolument, vraiment très, très bien fait. On applaudit Maxime. Il était nerveux, mais il a très bien fait ça. Maxime, donne-toi une tape sur le dos d'être jeune entrepreneur. C'est difficile et c'est assez impressionnant. Alors, bravo. Et j'espère que ça l'inspire d'autres jeunes entrepreneurs comme toi à faire de même. Alors, bravo à toi et ton associé. Good job et je vous longue vie à Newborn. Je pensais que c'est une affaire de bébé, personnellement. En tant que nouveau papa, j'étais comme Newborn, des couches avec de l'AI, ça va détecter quand est-ce... OK, non, désolé. On enchaîne avec notre prochaine société. Explore AI ou, ou Explorer? Explorer. 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 il est associé et VP Sciences de la décision IA appliquée de Explorer. Je vous présente Rémi Dion. Merci. Bonjour à tous. Je vais me faire un petit peu d'espace. OK. Ici, je vais vous parler d'intelligence artificielle. Qui a étudié l'intelligence artificielle jusqu'à maintenant, dans la dernière année? Main levée. Excellent. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas levé la main ou qui n'écoutaient pas, levez la main maintenant. Excellent. Je vois qu'il n'y a aucune main levée. Effectivement, l'IA est partout déjà. On en voit, si vous utilisez Amazon, si vous utilisez Netflix, si vous utilisez Spotify, c'est déjà partout. Donc, on en fait des grands débats, mais c'est aussi des petits IA qui sont déjà dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un cas pour qui on a travaillé dans le domaine de la construction. Ce n'est pas un domaine qu'on associe souvent à l'intelligence artificielle. C'est pour ça qu'on l'a choisi. C'est un projet pour lequel je suis particulièrement fier. Est-ce que... Bouton vert. Bouton
Parfait, merci. Donc, Daway Solutions, c'est la compagnie pour laquelle on a travaillé dans la dernière année. Et puis le projet ici, c'était de réunir l'information de différents acteurs. Mais spécifiquement, ce que Daway fait, le travail dans l'industrie de la construction pour les routes. Donc, dans le domaine routier, on va avoir différents intervenants. Et puis, que ce soit dans le domaine de l'entretien des infrastructures routières ou de suivi de travaux, bien, il y avait un besoin de réunir de l'information et de l'intelligence collective pour tous les individus qui mènent à bien la route, pour mener à bien le projet routier. Donc, la clientèle visée, bien sûr, il y en a plusieurs, mais le projet, dans ce cas-ci, c'est qu'on avait des intervenants sur cinq plans... Pardon, je me reprends. On avait des intervenants à cinq niveaux différents. Donc, que ce soit au niveau des normes, que ce soit au niveau des expertises des entrepreneurs, que ce soit au niveau des ingénieurs et des laboratoires, on avait des informations qui devaient être réunies de différentes... On avait j'essaie de me promener, mais on m'a dit de rester dans ce secteur-là. On a des experts qui vont fournir de l'information qui est utile à différents niveaux. Ce que je veux dire par là, sans rentrer trop dans les détails, vous allez devenir des experts pour les infrastructures routières. On a besoin, on connaît la recette parfaite pour faire de l'asphalte en laboratoire. Mais la réalité, c'est que dans la vraie vie, il va venter, il va pleuvoir, ça ne va pas être exactement la bonne poussière qui est arrivée, la bonne roche. Comment est-ce qu'on fait avec les impondérables? Et puis c'est là que vient l'intérêt d'utiliser l'intelligence artificielle. Je redoutais un peu cette slide-là. On a mis beaucoup de contenu. On va le faire ensemble. Donc, l'intérêt d'utiliser l'intelligence artificielle ici, c'est qu'on va avoir des objectifs différents, que ce soit au niveau d'agréger de la donnée. Je viens de vous dire, on a différentes sources de données, que ce soit du laboratoire, que ce soit l'expertise de l'entrepreneur, ou que ce soit encore les normes municipales. Donc, pas des normes provinciales. Pour chacune des municipalités, on va avoir des spécialités. On va vouloir avoir des... au niveau du contrôle de la qualité, par exemple, le taux de compaction. Quand on va faire les tests routiers, on va vouloir inspecter la vibration de la route. Chacun de ces détails-là provient d'une expertise distincte. Puis l'un des enjeux, c'était de réunir ça dans une seule plateforme. Ce n'est pas nous qui l'avons fait, on l'a fait avec Daway Solutions, qui avait ce besoin-là dans leur industrie. Et finalement, le monitoring en temps réel, effectivement, c'était l'enjeu que je vous parlais au niveau des impondérables. On sort du laboratoire, on va travailler dans un milieu où les conditions de la route, ce jour-là où on a à faire le travail, changent. Comment est-ce qu'on fait pour appliquer la recette optimale aux conditions dans lesquelles on travaille aujourd'hui? L'impact. Bien sûr, si on est capable de mieux utiliser nos ressources, on va avoir un impact social, parce que la qualité de la route va durer plus longtemps. Ce que ça veut dire aussi, puis on a aidé Daway à faire ça également, de pouvoir prédire jusqu'où la route va rester en bonne qualité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut prévoir des travaux de maintenance pour la prochaine itération. Aussi au niveau économique et environnemental, bien sûr, parce que si on utilise juste les ressources requises pour le projet, bien, on fait des gains. C'est un projet bien précis que je voulais vous mettre en lumière parce que Daway a le même problème que tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde a des problèmes très distincts. Dans chacune des industries, il y a une poutine qu'on peut mettre en place, mais ce n'est jamais les mêmes ingrédients. Puis on a développé une recette pour le faire, puis on le fait avec chacun de nos clients. Puis ce domaine-là m'interpellait particulièrement parce que la construction, c'est sexy. Puis finalement, qui on est? J'ai porté fièrement mon chandail d'explorer. On est 18, petite équipe très efficace. 18 spécialistes en intelligence artificielle. Si vous avez des questions, venez me voir, vous allez avoir de la facilité à me retrouver. Yes, good show. Merci. Merci Rémi. Je vais replacer la table. Alors, merci beaucoup. Explorer, très, très belle présentation. Ah, ben là, pourquoi je prends deux micros? Un micro, c'est assez. Prochaine présentation est du PDG de 3D Semantics. Sans plus tarder, Alain Coulombe. Bon après-midi tout le monde. Je vais tenter quelque chose, je ne l'ai jamais fait. Une présentation qui a été conçue pour être livrée en français, en anglais, mais je vais la faire en français parce que quand même, c'est ma langue maternelle.
Alors, Alain Coulombe, PDG, cofondateur de 3D Sémantics, une entreprise qui est spécialisée dans la valorisation des données manufacturières. On va voir ensemble cet après-midi comment, en utilisant l'intelligence artificielle et la recherche géométrique, on peut faire progresser significativement l'industrie manufacturière. Qu'est-ce qu'on devrait considérer lorsqu'on cherche un partenaire de fabrication de pièces? Si on leur demande aux fabricants de pièces, ils vont vous dire la première chose, ne considérez pas uniquement le prix qu'on va vous soumettre. La deuxième chose qu'ils vont vous dire, c'est regardez des gens qui ont l'expérience de votre industrie. Ils vont probablement vous livrer la qualité. Et la troisième chose qu'ils vont vous dire, c'est essayez de voir si vous avez des pièces complexes comme celles qu'on voit à l'écran, de voir s'ils en ont fabriqué de même nature, de même design. Alors, comment est-ce qu'on peut trouver des fabricants d'expérience? Aujourd'hui, c'est très difficile parce que les fabricants de pièces ne sont pas autorisés à mettre sur leur site web, et même s'ils le faisaient, ils le font en mettant des échantillons qu'ils font eux-mêmes. On ne peut pas aller mettre 3 000, 5 000, 10 000, 100 000 pièces sur un site web puis dire, bien, cherche ta pièce là-dedans. Donc, la difficulté, c'est de voir comment on peut trouver un fabricant d'expérience. Et on va voir, la première chose qu'il faut faire, c'est dire comment l'expérience de fabricant de pièces se traduit. Aujourd'hui, tous les produits, que ce soit un avion, l'A220 d'Airbus, ou votre voiture, ou même votre brosse à dents, avant d'être fabriquée, elle va être conçue, ça va être un modèle 3D. Chaque pièce est conçue en 3D. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'expérience d'un fabricant de pièces, c'est toutes les pièces qu'il a réalisées, qu'il a produites, peu importe son procédé de fabrication? Alors, si on dit ça, pour y arriver, ça va prendre deux technos. La recherche géométrique, on a inventé un moteur de recherche géométrique qui s'appelle 3D Part Finder. Ça permet de faire comme Google, mais avec des modèles 3D. Donc, on ne lui donne pas de l'alphanumérique, on ne lui donne pas des images, on lui donne un modèle 3D. Et il va retrouver, par exemple, chez un fabricant, toutes les pièces de même nature qu'il a fabriquées dans le passé. Si on combine ça avec des technologies d'intelligence artificielle, eh bien, on va être capable de créer une plateforme, c'est ce qu'on a fait, qui permet de retrouver un fabricant à partir du design qu'il aimerait faire fabriquer, trouver ceux qui ont le plus d'expérience sur cette pièce-là. Alors, on va voir comment ça se passe. Alors, je suis un fabricant dans l'industrie aéronautique, enfin, un fabricant d'avions. Je cherche un fabricant pour me faire cette pièce-là. Je vais télécharger ma pièce d'origine dans mon compte privé. Il n'y a personne qui la voit, cette pièce-là. OK? Et je vais lui demander de me trouver les fabricants qui ont le plus d'expérience avec ce type de design-là, en aluminium, et moi, j'en ai besoin 50 par mois. Alors, je vais spécifier sur la plateforme le matériau et je vais lancer ma requête. Instantanément, j'ai la liste des fabricants par ordre d'expérience sur ce type de design-là qui vont apparaître. Et en fait, ils sont classés. Ici, on voit qu'il y a 3 entreprises pour lesquelles c'est ce qu'on appelle « core business ». C'est leur cœur de métier. Faire ce type de pièce-là, c'est extraordinaire. J'en ai trouvé 3 à qui je vais pouvoir demander un devis. Maintenant, avant de lancer un appel d'offres à ces 3 fournisseurs-là, je vais aller voir leur profil plus détaillé. J'ai aussi un profil vivant sur la plateforme. Et ça veut dire quoi, vivant? Ça veut dire qu'à chaque pièce produite par le fabricant, ses graphiques de production vont se mettre à jour. Il y a 3 aspects intéressants de ces graphiques-là. Le premier, c'est quel est le pourcentage de pièces faites avec des matériaux? Moi, je cherche un fabricant expert en aluminium. Je constate qu'il y en a 40% qui sont faits de ce matériau-là. Donc, je suis en confiance. Deuxième aspect, quelle est la distribution de ces procédés de fabrication? Est-ce qu'il sait faire de l'usinage, de l'impression 3D? Quel type d'impression 3D, etc.? Et le troisième graphique qui va me révéler sur leur expérience de production, c'est la taille des lots. Si je veux faire du prototypage, c'est un type de fournisseur, de partenaire. Si je veux avoir 50 pièces par mois, comme c'est le cas, bien, je m'attends à voir des gens qui sont organisés pour produire toujours la même pièce avec les mêmes tolérances, même qualité, etc.
Donc, j'ai un histogramme qui me fournit sa distribution de taille de lot et je vois que dans le cas précis de Fusia, ils sont habilités à faire des lots de 20 à 50 pièces de manière régulière. Donc, je pense que c'est un bon candidat. Donc, c'est un exemple. Vous aurez compris le principe. Alors, on recherche des partenaires de différentes natures. Par exemple, des canaux de distribution, des plateformes qui sont des hubs de fabrication, de production, des plateformes qui sont des chaînes d'approvisionnement, des équipes de management de services d'approvisionnement à l'intérieur des multinationales et des tierces parties qui ont vu ces technologies, qui se disent hey, « ça cadre bien dans notre plateforme, dans notre concept de produit et ça pourrait être bénéfique pour nos usagers, notre clientèle. » Voilà, c'est ce que je voulais vous présenter à l'après-midi. Poignée de main, formalité. Merci Alain, bravo. Ben, très belle réussite en passant de traduire on the fly the English presentation to French. That's a skill. Well, you did very well, sir. C'était très, très bien fait. Bravo. Je pense même pas que Google aurait pu faire aussi bien que ça. Tu vois, des fois, l'IA, ça, c'était du great, great, great. Ça veut dire on maîtrise le produit. Merci beaucoup, Alain. On va passer tout de suite à notre prochaine présentation. Il est le PDG de Neuro Inc., Justin Lessard-Watchser. On l'accueille. J'ai-tu bien dit? Oui, parfait. Yay! Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui? Bonjour. Moi aussi, ça va être une présentation en anglais, mais on va faire du franglais ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonne journée mondiale de la santé mentale ce matin. C'est aujourd'hui, c'était la journée de la santé mentale. Aujourd'hui, je vous présente une technologie qui vise à prévenir ces problèmes-là dans les entreprises. Donc, mon nom, c'est Justin Lessard-Watchser. Je suis chercheur en neurosciences à McGill et PDG fondateur de Neuro, où on démocratise le coaching pour tous les gestionnaires dans les entreprises. Mais je n'ai pas pris mon clicker, ça ne va pas bien. Donc, mon background à moi, j'ai commencé en neurosciences quand j'avais 17 ans. J'avais mis en place beaucoup du coaching émotionnel pour nos patients au Douglas dans différents hôpitaux. Et ce que j'ai remarqué, c'est l'impact immense que ça a, pas juste thérapeutiquement, mais aussi pour prévenir beaucoup de problèmes comme la dépression, l'anxiété, l'épuisement professionnel, etc. Et je me suis dit, pourquoi qu'on n'arrive pas à démocratiser ça, rendre le coaching émotionnel disponible pour tout le monde? Donc, voici notre équipe. Vous avez sûrement eu un gestionnaire dans votre parcours qui a été un petit peu moyen, un gestionnaire qui vous a impacté négativement et ça a vraiment eu un impact sur votre santé mentale. Vous avez d'autre part eu probablement une expérience avec un gestionnaire qui était incroyable et vous avez dû voir la différence pour votre bien-être et votre santé. La différence entre les deux, c'est l'intelligence émotionnelle. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment mis en place un système avec les plus récentes avancées en intelligence artificielle qui a mis ça en place pour du coaching qui est capable de donner aux gestionnaires la capacité de gérer les comportements et les émotions au travail. Pourquoi? Parce que vous le savez sûrement, la gestion moderne est en crise. Et la raison, c'est parce que la majorité des gestionnaires en ce moment ont moins de 2 ans d'expérience. On parle au-dessus de 66 % des gestionnaires ont moins de 2 ans d'expérience en gestion. On entend souvent parler, les gens ne partent pas à cause des organisations, ils partent à cause des gestionnaires. Ce n'est pas juste un dire, c'est un fait. Au-dessus d'un milliard, un billion, pardon, de dollars sont perdus à chaque année à cause du roulement d'employés aux États-Unis et au Canada. Et ça, c'est dû notamment aux gestionnaires qui ne sont pas assez bien formés. Donc, c'est ici qu'on vient, Neuro. On a développé un chatbot qui est capable, un système vraiment qui est capable de mieux équiper et soutenir les gestionnaires à l'échelle. Donc, c'est un système un petit peu comme Waze ou Google Maps, mais pour la gestion moderne. Donc, on utilise les données communautaires. Donc, plus que les gestionnaires utilisent notre plateforme, plus qu'on est capable de donner des recommandations précises pour mieux adapter les plans d'action, les recommandations pour les gestionnaires au quotidien 24 heures sur 7.
Donc, les solutions actuelles laissent 95% des gestionnaires sont laissés sous l'eau parce que les solutions en ce moment sont beaucoup, beaucoup trop coûteuses. Un coach exécutif, ça coûte au-dessus de 1 000 $ par heure. C'est disponible juste entre 9 à 5, une fois par mois. Donc, c'est vraiment pas accessible pour les gestionnaires de premier et deuxième niveau qui en ont vraiment besoin. Des gestionnaires qui sont en contact direct avec les clients, en contact direct avec les employés. Donc, nous, on démocratise ça. On lance du coaching pour tous les gestionnaires dans l'organisation. Donc, c'est très simple à utiliser. Première chose, on va apprendre sur c'est quoi le style de des gestionnaires. Donc, on apprend sur sa personnalité, sur son style de gestion, etc. On leur demande un petit peu c'est quoi leur problématique, c'est quoi leur challenge à tous les jours. Et ensuite, on développe une relation de coaching avec chaque gestionnaire au sein de l'organisation. De l'autre côté, pour l'organisation, on diminue les risques juridiques parce qu'on propose des nouvelles politiques mieux adaptées aux besoins de l'organisation et on a développé une technologie qui rend le recrutement beaucoup plus facile et efficace pour les futurs gestionnaires dans l'entreprise. Donc, notre modèle est super facile, c'est environ 15 $ par gestionnaire par mois, donc c'est très, très accessible. Et on l'a testé, on l'a itéré et en ce moment, on est en expansion avec plusieurs organisations à travers le pays et aux États-Unis. Ça, c'est un petit peu de feedback de nos clients en ce moment et nos partenaires. Donc, ce qu'on vous propose ici, ce n'est pas juste une solution ou un produit comme les autres, c'est vraiment une révolution pour la gestion moderne, une nouvelle façon, la clé, pour un futur plus empathique. Donc, merci beaucoup. Hey, vous êtes bon. Good job, Justin. Bravo, bravo. Très belle présentation. On va mettre ça là. Yeah, OK. Encore une fois, un maître de la traduction on the fly. Really well done. On maîtrise très bien son produit. Très beau projet aussi, hein? On va se le dire. On a tous eu des gestionnaires qui auraient pu mériter d'un peu de coaching. OK. No, nobody? Everyone had amazing bosses? Really? Come on. C'est sûr, là, c'est très bon. Ben oui, bravo. Je suis pas le seul, là. J'en ai eu des gestionnaires qui étaient un peu plus tough. Il y aurait peut-être plus. Okay. Bon, on continue. Il nous reste encore 2 présentations avant une petite pause. Et ensuite, on a les MTL Tech Awards. On va vous présenter les finalistes. Je vous présente tout de suite la prochaine société, la société Evadi. Et pour nous parler de cette société, j'invite la PDG, Michel Potvin. On l'applaudit. Bonjour tout le monde. Michel Potvin, je suis orthopédagogue. J'ai fait ça pendant 20 ans. Et il y en a-tu parmi vous qui ont eu ou qui connaissent des personnes qui ont eu des difficultés avec l'écriture du français? Oh, pas tant que ça. Bien, vous êtes gêné de le dire, mais habituellement, c'est un problème. Je vais reprendre moi aussi le petit clic, comme ça. Un élève sur 3 va échouer son examen final en 5e secondaire au Québec, en écriture. Au cégep, c'est la même chose. Et le problème est l'écriture, pas l'écriture, mais l'orthographe est le critère qui les fait échouer. C'est 55% le taux de réussite en orthographe seulement. Donc, 55% des élèves échouent juste à ce critère. Et la présidente de l'Association des profs de français nous disait que si on connaissait où étaient les erreurs des élèves, on pourrait les aider. C'est exactement ce que fait l'évaluation diagnostique. Ça sort les forces et les faiblesses. Le problème, c'est qu'on n'en fait pas dans les écoles. Pourquoi? Parce que ça prend du temps. C'est long à corriger. C'est long à analyser tout ça et pouvoir déterminer qu'est-ce que l'élève a à travailler. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on automatise l'évaluation. On a du début à la fin, l'élève est complètement autonome dans la passation, ce sont des dictées, donc l'élève écoute, écrit. On évalue aussi au niveau de la compréhension du langage, donc pour les personnes de deuxième langue, on vérifie aussi la compréhension du langage.
Et donc, on évalue tout jusqu'à la fin. Il y a un rapport instantanément qui sort. J'étais ici l'année passée au prix de l'innovation internationale, le Tech Awards. J'étais dans les finalistes et on était juste en MVP. Mais là, on a maintenant la correction instantanée depuis cette année, après 4 ans de développement. Ce que ça fait quand on donne le rapport comme ça, instantané, bien, les profs n'ont pas à corriger. Donc, ils ont tout de suite les résultats des élèves et les élèves ont une belle rétroaction de leurs forces et leurs faiblesses. Ils savent ce sur quoi travailler. Et donc, on sauve énormément de temps. Alors, notre produit s'appelle Evadigraph. C'est un outil, donc, sous forme de dictée. Les élèves écrivent à leur rythme. Et on a maintenant aussi cette année, avec l'automatisation entière, on a des dictées tous les jours qui sont toutes très bien détaillées au niveau du rapport à la fin. C'est ça qui fait notre force. C'est validé aussi par la recherche, donc avec une étude assez grande sur 690 élèves dans 10 écoles du Québec. Et on a des résultats très éloquents qui nous ont permis de déterminer que c'était un bon prédicteur de la réussite scolaire. Ce qui est innovateur dans notre produit par rapport à tout ce qui existe sur le marché, c'est l'analyse détaillée qu'on fait. Étant orthopédagogue, c'est ce que j'ai de besoin pour savoir ce sur quoi travailler avec mes élèves. Mais pour les profs aussi, ça les aide à orienter leur enseignement. Et donc, on a réussi à développer des algorithmes de correction qui vont vraiment dans le détail, même au niveau de la phonétique. Il n'y avait rien qui existait, on a tout bâti de zéro. Parce que même Antidote n'est pas capable de faire ça, je vais vous montrer tout de suite après. Ici, l'interprétation, ici, ce qui est innove aussi, là, c'est qu'on fait réfléchir, dans le fond, c'est une IA de système expert qui fait toute l'analyse comme le ferait l'orthopédagogue. On a un exemple d'un élève dyslexique où les fillettes n'étudient jamais longtemps. C'était dans une des dictées qui parle d'une nouvelle élève qui arrive ici. Et donc, Antidote est incapable de corriger ça. L'avantage qu'on a, c'est qu'on sait ce que l'élève doit écrire étant donné que c'est une dictée. On est déjà donc rendu en 2023, ça fait depuis 2019, on a commencé en 2013 en fait, mais c'était loin d'être automatisé. Et là, bien, on est rendu à la correction instantanée et on veut poursuivre avec deux produits, Evadilect et Evadimat, et mettre de l'intelligence artificielle pour pousser encore plus l'analyse. Là, on a fait des démarches avec l'AVIA qu'on repousse d'une année, mais c'est là qu'on veut aller pour aller encore plus approfondir cette analyse-là. Même si on est dans nos débuts, c'est la première année qu'on fait vraiment, l'année passée, on était à 33 000 de ventes, on est rendu à 70 déjà, 39 écoles, je n'ai eu une autre tantôt qui a commandé. Et on veut garder quelque chose, quand même, un produit accessible. Il y a la formation et tout de suite, je suis en train de dépasser mon temps, et tout de suite après, on a la formation, mais c'est 4 $ seulement par élève. Je voulais juste vous dire, bon, ça, c'est pas important, ça, c'est vers où on va. On est juste deux, mais on est propulsé au Centech. Fait qu'on est, pendant 2 ans, on est bien accompagné. Puis, si vous êtes intéressé par un projet de cœur, qui est quand même qui va aller loin, eh bien, vous pourrez me contacter. Mes coordonnées sont là. Bravo, Michel. Oui, merci. Super. C'est le fun de voir un produit quand un an a évolué. Bravo à votre petite équipe pour ce beau projet. Ben non, pas le clicker. Là, je pense que si on vous pose la question, est-ce que le français est dur à écrire, puis vous dites non, là. Moi, je suis un des trois. Tu sais, c'est 1 sur 3 qui coulait son examen de français en secondaire 5. C'était moi. Vous aussi. Ah, tu n'as pas levé ta main. Ah, je te regarde. On va continuer avec la prochaine présentation. Dernière avant la pause. On a donné de l'énergie à tous nos entrepreneurs. On fait du bruit. Comment? Let's go. Wow! Yeah! Bon, ça. Vous êtes encore ici, j'aime ça. On va vous présenter le président fondateur d'Indominus, René-Sylvain Bédard. On l'accueille. Merci beaucoup. Plaisir. Bonjour tout le monde. Comme il m'a présenté,
Je suis René Sylvain Bédard. Ça fait 25 ans que je suis en technologie de l'information, avec une majeure en cybersécurité, mais surtout avec une mission personnelle de démocratiser la cybersécurité, d'où le pourquoi qu'on a fondé Indominus Sécurité Gérée. Je vais commencer avec quelques statistiques qui démontrent bien que les PME sont au cœur de notre économie. On parle de tout près de 90 % de l'économie, mais on parle également de 1,2 million de PME au Canada. Malgré ce fait-là, et qu'ils reçoivent 87 % des cyberattaques, la majorité des ressources sont prises par les grandes entreprises. Donc, qu'est-ce qui reste pour défendre nos PME? Donc, on l'a capté, l'appel à l'aide. On a entendu, vous, les propriétaires de PME, qui nous disiez, on a besoin d'aide. Vous, qui êtes responsable de la croissance et de la pérennité de vos entreprises, mais vous également qui êtes responsable des employés qui sont à votre charge. On a également compris comment ça vous effraie à chaque fois qu'il y a une cyberattaque dans les médias, surtout quand elle est proche de la maison, comme c'était le cas il n'y a pas longtemps avec Météo Média. On a compris également que ça fait exactement comme l'assurance-vie. Si vous perdez un proche, tout d'un coup, tout le monde se lance pour aller chercher de l'assurance-vie. Ma question pour vous, c'est, quand vous avez vu Météo Média, est-ce que vous avez pris action? Et si oui, est-ce que vous avez trouvé de l'aide? On s'entend que la responsabilité, elle termine avec vous, les propriétaires de PME. Vous qui êtes responsable, mais surtout vous qui avez investi corps et âme depuis des années pour bâtir cette PME. Vous qui avez tout risqué pour faire grandir le projet. Ce qui nous dérange, c'est qu'à n'importe quel moment, un groupe invisible peut arriver, saisir vos données, vous faire chanter, vous extorquer avec une rançon, ne serait-ce que pour continuer à faire affaire. Il y a malheureusement des compagnies en cybersécurité qui voient une opportunité, qui voient une occasion d'affaires. On nous a déjà appelés pour faire de la réponse aux incidents. Ça nous a levé le cœur. Ça nous a levé le cœur d'avoir à regarder quelqu'un qui était par terre, qui venait de se faire battre, qui était encore tout ensanglanté, de lui dire « Il faut signer ici, monsieur, si vous voulez qu'on vous aide. » C'était immoral. Donc, nous, on a choisi de faire une différence. On a choisi d'agir avant l'événement plutôt qu'après, de prévenir plutôt que de guérir. Donc, la question qu'on a posée à notre groupe d'experts, c'est comment est-ce qu'on peut bien protéger les PME? Et ce qu'ils nous ont répondu nous a surpris. Ils nous ont dit, commencez par protéger leur appareil. OK, on a dit, quels appareils? Ben, ils disent, commencez par la masse. On va commencer par les Windows, les iOS, les Android. Vous assurez de couvrir la masse. Ensuite, vous pourrez aller vers les Mac, les Linux, les serveurs, les autres entités. OK, mais pourquoi les appareils? Bien, quand il y a un malware qui est envoyé par courriel à une personne, c'est sur son appareil qu'il va l'ouvrir, qu'il va initier la chaîne. S'il y a quelqu'un qui essaie de voler une combinaison utilisateur mot de passe, ça va habituellement se faire sur un appareil qui est compromis. Et quand les données sont extraites d'une compagnie, ça se fait aussi à travers un appareil qui est compromis. Donc, on devait être stratégique. Le but, ce n'était pas de venir complexifier l'architecture de nos clients, mais de pouvoir prendre des outils existants dans leur environnement et de s'assurer qu'ils soient bien déployés. On s'est tourné vers notre partenaire Microsoft, qui ont déjà une suite de cyberdéfense, mais, comme si Microsoft... Ça prend un ingénieur de Microsoft pour le déployer et ça prend ensuite des analystes certifiés pour être capable de les utiliser et de les regarder à tous les jours. Donc, on a choisi de créer le GuardSpart. On venait régler une portion avec Microsoft, on savait quel outil qu'on allait prendre. Maintenant, on est venu l'automatiser, on est venu le rendre disponible à la masse pour qu'à travers le GuardSpart, vous puissiez l'inscrire et déployer la solution dans votre environnement. Il fallait aussi régler le problème d'opérationnalisation. Et c'est pour ça qu'on a prêté nos équipes à Indominus Sécurité Gérée pour pouvoir faire la télésurveillance
mais surtout aussi la chasse par la suite. Si jamais il y a une attaque, il faut être capable de faire la rétaliation. Malheureusement, je connais pas, il semblerait que les cyber-intimidateurs n'ont pas le même horaire que nous. Ils travaillent 7/24, donc on s'est assuré que notre service puisse également être disponible 7/24. Et il fallait également s'assurer qu'on soit en mesure de répondre aux diverses législations à travers les pays. Donc, vous avez des pays comme l'Europe, la France, où il faut que les données restent absolument sur le territoire français. Donc, ce qu'on a fait, on s'est assuré que toutes les données de télémétrie restaient chez nos clients pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite, mais également pour s'assurer d'être en conformité, j'allais dire compliance, avec l'environnement. À partir de là, ça nous permettait de venir isoler un appareil dès qu'elle était compromise. En faisant ça, on vient de rapporter toute cette complexité de cybersécurité à un modèle qui est très connu des entrepreneurs, c'est-à-dire celui d'un détecteur de fumée sur chaque appareil, d'une centrale d'alarme qui répond quand jamais, si jamais il y a un de ces senseurs-là qui est activé, mais surtout une équipe de premiers répondants qui est en mesure d'aider les PME, peu importe leur taille. Je vous remercie pour votre temps. Mon nom est René-Sylvain Bédard. Nous sommes Indominus Sécurité Gérée. Nous protégeons votre futur. Vous avez à l'écran le code QR pour en apprendre plus sur le produit, ma carte d'affaires et une évaluation gratuite pour savoir si vos appareils sont sécuritaires. Merci, bonne fin de journée. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup, René-Sylvain. C'est bon parce que ça complète vraiment tous les grands sujets de cette année, de les thématiques. Donc, on parle de cybersécurité pour cloître, pour mettre fin à cette séance de la vitrine. Alors, merci à tous d'avoir fait partie de la vitrine MTL Connect pour sa deuxième édition. J'espère que vous avez tous pu découvrir de nouvelles entreprises, sociétés et faire de nouvelles connexions. Pas tout le monde avait des codes QR, mais j'espère que vous avez pris l'information de ceux ou celles qui vous intéressait. Merci d'être avec nous. On prend une petite pause et on va tout de suite vous présenter, après la pause, les finalistes des MTL Tech Awards. À tout de suite.